Odessen, hein? Y a-t-il un seul endroit dans la galaxie où personne ne souhaite notre mort? Je me suis occupé de la sélection moi-même, ça ira. Est-il bien raisonnable de laisser Scorpion s'occuper de la passerelle? Le vaisseau est verrouillé, il n'ira nulle part sans ma permission. Il faut espérer. Alors, pourquoi cette planète? Une planète lointaine, changeante, et la force y est puissante. Mais contrairement à Corriban et Titon, Odessen est équilibrée, globalement. Comment l'avez-vous découverte? J'ai toujours eu une puissante affinité avec la force. C'est ce qui m'a fait arpenter cette voie et conduite à forger une certaine alliance il y a toutes ces années. Avec la République. Avec vous, disons. Eh bien, nous y sommes. Voici votre nouvelle alliance. C'est un bon début. Nous avons tous mis la main à la pâte, mais vous avez fait l'essentiel. Vous avez rendu tout ça possible. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. Attention à tous. La galaxie telle que nous la connaissons n'est plus. Les institutions qui étaient familières se sont effondrées. Mais nous ne pouvons pas céder à la panique ou au désespoir. Nous avons l'occasion de bâtir quelque chose ensemble. Une alliance dans laquelle chacun de nous pourra s'investir. Nous ne partageons pas tous les mêmes idéologies, mais nous sommes ici, car nous pensons pouvoir transcender nos différences. Je le crois, moi aussi. Nous pouvons réussir ensemble ou échouer seuls. Alors n'échouons pas. Eh ben, j'adore votre intérieur. Deron Chan, autrefois du service d'information stratégique. Rishi. Yavin 4, Ziost, ça vous dit quelque chose? Non, à part ce que Lana m'a dit, sans vouloir vous vexer. La carbonite, l'empereur Sith, ça a dû être dur. Ça vous reviendra.
C'est long, 5 ans. On dirait que tout a changé. Vous n'avez qu'à me rafraîchir la mémoire. Sans problème. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'ai un petit quelque chose pour vous. Vous avez retrouvé mon équipage ? Pas encore, mais... Il y a du boulot, et pas qu'un peu. Quand vous aurez un moment, on parlera des choses sérieuses. Je serai à l'intérieur. Sans plan détaillé, une sortie d'escadron de ce type est vouée à l'échec. Il nous faut les positions des hangars, les possibilités défensives. Il serait également utile de savoir comment neutraliser le noyau énergétique. Je ne peux ni deviner ce mystère, ni prier les dieux de la science. Je ne peux qu'émettre des suppositions. À moins qu'on ne parvienne à extraire ces informations en secret, bien sûr. Ne comptez pas sur moi. Je me suis déjà introduite dans des forteresses, mais ces stations, c'est une autre paire de manches. Bon, remettons ça à plus tard. Nous avons de la compagnie. Besoin d'aide ? Concernant les stations de combat d'Arcane ? Oui, quand nous aurons compris de quoi elles retournent. Nous construisons une alliance solide, mais c'est insuffisant. Les mondes du noyau sont toujours menacés par la mainmise d'Arcane. J'ai réuni une équipe de spécialistes chargés de traiter nos problématiques et de recruter du sang neuf. Professeur Jouvarilip Ogurob, je ne suis pas biologiste, mais je suis fasciné par les effets à long terme qu'a pu avoir l'empoisonnement à la carbonite sur vos facultés mentales. Bewanaigo, ex-amiral de la flotte de la République. Démobilisé, mais toujours paré au combat. Ilovise, vous avez sûrement entendu parler de moi. La femme qui a percé le blocus le plus solide de toute l'histoire de la galaxie. L'héroïne hors-la-loi la plus célèbre de la République, en gros. Votre visage m'est apparu durant mes épreuves. Je suis la mystique Sanare. Je viens pour vous aider. Quel problème tentez-vous de résoudre ? Tous, à vrai dire. La logistique, les renseignements, les troupes, la technologie. Et ne me lancez pas sur la force. Si je puis me permettre, j'aimerais vous demander une faveur. J'observe une recrue très prometteuse. Un gant. Vous le croyez ? Si vous souhaitez en savoir plus, vous me trouverez dans mon laboratoire flambant neuf. Bon, voilà l'équipe. Des questions ? Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Ravi de vous rencontrer en personne. Bonne chance ! Merci d'être passé. Aux vieux amis et aux nouveaux alliés ! Je lèverai mon verre à la deuxième partie. Vous souvenez-vous de notre dernier moment de détente ? Oui, c'était il y a 2,6 millions d'années, et Senia était déjà une plaie. Et dire que j'avais prévu de chanter pour vous toute la nuit. De quoi ? Oh, allez, il faut que j'entende ça ! Trop tard. Perron, vous ne pouvez pas laisser le destin de la galaxie reposer sur vos seules épaules. Ce n'est pas pour ça que vous m'avez fait venir ? Pour vous décharger de vos responsabilités ? Je vous ai fait venir parce que vous êtes compétent. Regardez qui voilà. Ne vous en faites pas. On n'allait pas commencer sans vous. Oui, nous venons de commencer. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai bien besoin de me détendre un peu après tout ce qui s'est passé. Vous avez bien raison. Aidez-nous à le dérider un peu. Je suis plutôt de bonne humeur. La preuve. Je suis là. Et vous aussi. Je comptais d'abord pouvoir parler à l'un d'entre vous. Lana, vous auriez un moment ? Bien entendu. Bon. Je crois que je vais aller... Ouais. Ouais, bien sûr. À plus tard. Affirmatif. C'est quelque chose, hein ? Ça n'a rien à voir avec notre dernière alliance en date. Ce que je présageais quand nous avons fait équipe avec Terron, Satil et Darkmar s'est réalisé. J'ai peut-être initié les événements, mais rien ne se serait organisé ainsi sans votre concours. Nous n'avons pas encore gagné. Nous en sommes bien loin. Je suis d'accord, mais il reste une vérité que je ne peux plus ignorer. Je pensais que vous étiez le seul à pouvoir arrêter Arcane du fait de vos capacités. Mais aujourd'hui, je sais. C'est le destin. Votre destin.
Ça contredit toutes mes convictions, mais le fait est là. C'est une réalité. Pas si je dois agir seul. Vous tenez un rôle primordial dans notre entreprise. Bien entendu. Et je continuerai de le tenir aussi longtemps que vous le voudrez. Je pense que nous devrions rejoindre les autres. On l'a bien mérité après tout. C'est une mauvaise blague. Regardez-moi bien. J'ai l'air de mentir. Bon sang, c'est du lana tout craché. Je sais, complètement. De quoi parlez-vous tous les deux? De rien. En tout cas, pas d'histoire d'enlèvement sur Rishi. Ravi de voir qu'un sujet arrive à vous réunir. Hey, quelqu'un a vu Senya? Personne n'a vu Senya? Cott, il va bien falloir que vous lui fassiez confiance. Elle a affronté sa propre fille. Je sais, j'en suis conscient. L'équipage reprend le service dans une heure. Ça va être drôle. J'ai des réunions à organiser. Ça me rappelle l'époque où j'étais conseillère. Merci. Merci à tous. Votre présence représente beaucoup pour moi. Idem, étranger. Dora, Len, allons-y, petite nature. La ferme! C'est impressionnant, vous savez. Des gens issus des quatre coins de la galaxie vous soutiennent. Ne me dites pas que c'est ça qui vous préoccupait. En un sens, je me demandais pourquoi tant de descendants suivaient Escal. Ils les sacrifiaient de cette manière, car leur mort avait été prédite. Ces visions étaient d'une grande clairvoyance, mais pas infaillibles. Ça me rappelle les messagers de Zildrog. Un autre dirigeant a payé pour ses certitudes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Valkorion considérait le point de vue des autres. Il m'écoutait. Enfin, la plupart du temps. Il n'a pas... Il n'aurait jamais fait ce qu'Arkan a pu faire. Que se passe-t-il? Arkan avait un frère jumeau. Texan. Jusqu'à sa mort, ils étaient inséparables. Durant notre affrontement, Velin m'a dit qu'Arkan a assassiné Texan, son propre frère. Si je l'avais élevé, peut-être que... Que s'est-il passé durant votre combat contre Velin? Ces paroles m'ont frappé au plus profond de mon cœur. J'étais comme figée. Elle s'est enfuie. Aujourd'hui, plus que jamais... Je comprends que mes enfants doivent être arrêtés et que je dois accepter les choix que j'ai faits. Je vous souhaite la même chose. Quels qu'aient été vos choix. Elle soulève une bonne question. Que pensez-vous du chemin qui vous a conduit jusqu'ici? J'ai pris mes décisions en mon âme et conscience. C'est la seule chose qu'il nous reste encore. Une vie sans regret est une vie bien vécue. Mais je suppose que seul le temps nous dira si vous parviendrez à vos fins. Personnellement, je pense que vous vaincrez Arkan. Mais tous ici ne partagent pas cet avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en doute? Vous le saurez bien assez tôt. Il est là, quelque part. Notre propre père complote contre nous. Il n'est pas le seul. Maintenant que Mère sait que tu as tué Texan, elle souhaite sûrement ta mort. Mais ce n'est pas un problème. Tu possèdes le trône, la flotte, l'Empire tout entier. Tu es à l'abri de sa vengeance. Si seulement Texan était là.
Il verrait que j'ai eu raison de défier Père. Imagine un peu. Nous régnerions tous les trois comme il se doit sur cet empire. Moi aussi, j'aimerais que Texan soit là. Mais c'est impossible désormais. Peu importe. Père a un nouveau favori. Il veut que l'étranger te dépossède de tout ceci. Je mourrais plutôt que de laisser cela nous arriver. Je le sais bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est votre premier discours officiel en tant que commandant de l'Alliance. Il faudra que je remercie tout le monde pour le vote de confiance. Il n'y a eu aucun vote. Pas de réunion, ni de débat. C'est juste dans l'ordre des choses. C'est ainsi depuis le jour de votre arrivée. Tout le monde le sait, ça vient de devenir officiel. Moi qui croyais que vous détestiez les titres. Quand ils me concernent, oui. Mais j'adore les distribuer. Ils s'en remettent totalement à vous pour atteindre la grandeur. Faites en sorte qu'ils y arrivent. Nous tous ici présents, nous connaissons la peine. Nous avons perdu des proches, des amis. Nous avons été battus encore et encore. On nous a volé nos vies. C'en est presque devenu notre destinée. Mais aucun d'entre nous n'a baissé les bras. Vous avez tenu bon malgré vos pertes. Vous vous êtes réunis pour construire, créer et lutter ensemble. Et je vous en remercie du fond du cœur. En unissant nos forces, nous libérerons la galaxie du joug de son tyran. Ensemble, nous renverserons Arcane et remporterons la victoire. Ils ont fait du chemin. Effectivement. Il leur reste beaucoup à faire. Mais à ce rythme, ils pourraient bien un jour se dresser contre l'Empire éternel. Peut-être. Dommage qu'une multitude d'entre eux doivent mourir.